On va faire une petite magie en conférence, en visuel Zoom, et avec France André, qui est coordonnateur et porte-parole du comité d'action des personnes sans statut, et au téléphone, Gwenda Filius, veuve de Fritznel Richard. France André, comment ça va? France André? Allô, France André, est-ce qu'on a... Ah oui, Oui, alors là... alors merci de m'accueillir une fois de plus. Bon, alors, on a un petit problème de retour de son. Oui, alors, OK, on va corriger ça, j'espère qu'on va... est-ce que vous m'entendez sur téléphone? C'est un petit peu mieux, mais ça fait encore le même son. C'est bizarre parce que je ne comprends pas le retour de son. Non. Bon, j'ai essayé de fermer sur un instant. Parce que, OK, alors il faut utiliser le téléphone et en fermant le micro du Zoom. Je pense que ça va nous donner de meilleurs résultats en utilisant le téléphone. Oui, c'est ce que je fais d'ailleurs. Bon. Est-ce que c'est possible de votre côté? Non, c'est uniquement de votre côté. On va essayer de parler avec Gwenda et en attendant de voir effectivement si on peut améliorer le son avec... Oui, je pense que ça va donner des résultats. Est-ce qu'on m'entend maintenant? Mais Ça va mieux? voilà. Bon, très bien. Alors, il y a donc Madame Filius sur la ligne. Madame Gwenda? Oui, voilà, oui. Comment nous y est, Gwenda? Je Nona Doula, nous, et m'apprendre que funérailles a reporté pour la semaine prochaine, c'est vrai? Oui. Et puis, entre-temps, depuis dernière fois, nous parlions à Gampil Bagay qui dit, Gwenda, entre autres, est-ce que il y a possibilité que vous portiez accusation contre Moun qui t'a aidé, Marie ou Fritznel Richard, passer frontière-là? Bon, moi, pas jamais je n'ai aucun monde comme ce qui pourrait aider pour me porter accusation, mais si à qui t'es aidé, Richard, comme si pour lui-même, ce n'est rien, ça pas rien. Et bon, moi, pas je n'ai rien seulement, mais si elle est libre, il va dire rien. Mais si vous permettez, Gwenda, bon, il s'agit d'une capacité de enquête qu'a faite, ne pas citer nom personne. C'est très Oui. important, mais des fois qu'on est, puis peut-être tout ça, peut-être pas songer que m'a demandé que continue l'enquête là. Alors, Oh, du côté de la Sûreté du Québec, il y a cette enquête. Effectivement, on parle de deux personnes potentiellement, si on se fie à un article dans le journal de Montréal, pour ne pas le nommer, des possibilités qu'il y ait eu des contacts. Et Gwenda a envoyé de l'argent des États-Unis. Il y a quelqu'un qui a reçu, il y a quelqu'un qui va retenir les services du passeur, etc. Et dans tout cela, probablement que la police est à l'étude de la possibilité de porter des accusations. C'est ça, François André? oui, effectivement, enfin, ça fait un petit peu plus que moi, le fait qu'ils ont pu retracer l'argent, malgré que je le savais, mais je ne savais pas que ça a été divulgué. Oui, effectivement, il y a une enquête qui se poursuit. Une enquête. Entre-temps, Gwenda, ou même tout, ou des moun ou t'es rencontré déjà, tout comme moun qui t'es passé ma ou là, ou rencontré déjà, et ou t'es voyagé avec lui, tout pas vrai? Oui, quelquefois j'ai avec.
Bon, et c'est lui qui était fort traversé, mais sauf que c'est pas en hiver. Cette fois-ci, c'est en hiver et c'est à cause du froid que Marie a mouru. Ben, nos nouvelles petites toi qui en Haïti a. Bon, il va voter très bien parce qu'elle était à peine 10 jours et pas parlement. Elle était à peine, c'est juste elle était sortie dans sa salle d'opération. Pour le moment, on a fait effort, mais nous beaucoup de gens qui ont dit si papa a mouru, elle était réelle, elle était de bon, elle n'est pas attendue, papa, elle n'est pas attendue, ça, elle n'est pas de mourir. Donc, elle est aussi opérée, mais moi, je dis que comme ça, papa l'a pris l'île et s'est occupé, lui occupé. Et puis, Gwenda, vous imaginez très bien qu'on n'est pas capable de continuer à payer balimenti comme ça. Je dis ça, oui, maintenant fait une établie comme si les là. Living plus ou moins. Et puis, qu'on y a m'a dit ça. Voici nos semaines, m'a dit ça. Gwenda, dernière fois nous parlions, où tu as pile difficulté pour te communiquer une série d'informations, bah nous, et puis nous-mêmes, tout nous pas de pousser trop, parce que côté où vivre là, Miami, ou pas de vle pour moun connaître histoire ça, pour autorité américaine, pas au courant de tout ça qui t'est arrivé avant la mort Fritz là, c'est-à-dire qu'on t'est déplacé, vine vive Montréal, etc. Mais qu'il y a moins grand pile un journal qui parlait de ça. Est-ce que autorité américaine y a contacté? Bon, non, il va pas contacter nous, mais je ne sais pas qui ça va venir après. Pour Il y a un autre monde qui a des informations. Fait. Moi, j'ai eu un ami qui t'a contacté. Vincent, qui t'a contacté un autre monde. Il y a un ami qui t'a mis sur Facebook. C'est lui-même qui a raconté nos paquets et bagailles. C'est après, là, je me dis comme ça, il y a des villes là, il y a des faits journal. Je dis non, on va pas prendre interview sans partir, on suppose que ça avant, on va le citer, non, bagaille. Parce que je ne veux pas vouloir pour moi trois problèmes, pour me sortir d'un problème Canada et puis pour me tomber dans un problème ici. Effectivement. Et Gwenda, gagne un nouveau programme que le gouvernement américain a annoncé qui concernait Haïtiens, Nicaraguayens, Cubains, Vénézuéliens, et ou même en principe où tu as éligible ou tu as capable de participer dans le programme ça, est-ce qu'on craint que toute histoire ça au fort handicapé ou empêché ou passer dans le programme ça? Oui, tout ça est péché, parce que même pour TPS, moi qui pas convenu, bon, c'est tout ça au cas de problème pour ne pas connaître comment ça va le devenir pour moi. Tout ça, c'est problème parce que quand tu m'en as dit, tu as aimé, mais à cause de ça, on a tout le monde ce qu'il est sous journal, qu'on a gardé ses bagages pour ne pas participer là-dedans. Et évidemment, ou espérer que autorité américaine n'y a pas gain vent de tout ça qui passait, étant donné c'est généralement en créole ou bien en français, bagay ça au cité, non cité, mais gain l'impression qu'on craigne en pile que tout ça arrive dans les oreilles. Oui. Mais qui ça me ka fait comme si ça t'arrivait dans les oreilles, qui ça, si t'as un bagage qui t'arrivait mal pour moi, qui ça me parle faire? Gwenda, peut-être son bail nous qui doit parler plus ou même avec moi, parce que son bail qui pourrait parler en avocat aux États-Unis, donc nous qui doit parler ça plus tard. D'accord. Maintenant, pour les funérailles, Gwenda, c'est clair qu'au pape 40, c'est pas vrai? C'est clair qu'au pape qui a rentré, c'est le 22 prochain, France, ici à Montréal, qu'on va avoir des funérailles et l'organisation a besoin d'aide, France. Oui, effectivement, ce sera donc le dimanche 22 à partir de 13h30 au Magnus Poirier sur P9. Nous allons faire aussi une appel conférence où Madame Gwenda pourra assister à distance
Et donc, on a besoin d'aide, bien sûr, d'une présence, venir en nombre, porter un dernier recueil avec Fritzel. Mais nous avons aussi un GoFundMe que nous avons démarré depuis hier, qui sera remis en totalité à Gwenda pour qu'elle puisse prendre soin d'elle, parce qu'elle aura besoin de suivi médicaux aux États-Unis, et également pour l'enfant qui est en Haïti, que lui aussi aura besoin de suivi. Alors, les dépenses pour les funérailles seront prises en main ici dans la communauté. Ce sont des compatriotes que j'ai sollicités, et je me permets de mentionner, entre autres, le premier qui a dit présent, c'était Frédéric Guaron, qui va participer. Donc, aucune dépense ne viendra de du GoFundMe. Donc, l'argent qui sera ramassé ira seulement et exclusivement à Madame Filius. Et on rappelle que Madame Filius avait été opérée à Montréal et a besoin de continuer à prendre des soins, n'est-ce pas, aux États-Unis. Et aux États-Unis, elle est dépourvue, elle n'a pas d'assistance, elle n'a pas de support, et surtout qu'elle n'a pas d'assurance comme tel médicament ou de santé. Pas vrai, Gwenda, ou pas gagne rien dans toute bagaille, ça, là. Alors, et puis Timoun Nantou, Apton, actuellement ou pas travail ou pas gagne un permis de travail non plus? Non, je pas qu'on gagne un permis de travail. Et Franz, donc pour le GoFundMe, comment on participe? Bien, si les gens qui sont en contact avec moi, même avec Frédéric Baron, on peut le retrouver sur le Facebook. Par contre, si vous rentrez dans Google, si vous mettez GoFundMe Richard Fritzel, ça va vous amener sur une page et vous allez pouvoir contribuer. Et jusqu'au moment où on se parle, Franz, les gens sont solidaires, se montrent compréhensifs et ça va bien. Oui, je considère, pour le peu de temps que nous l'avons mis, donc c'est à peu près 24 heures, les gens sont solidaires. La seule chose que l'erreur que j'ai faite, c'est que le but était d'envoyer en américain le montant qu'on visait, qui était de 5 000, mais j'ai mis 5 000 canadiens, donc on va devoir réajuster, c'est l'équivalent de presque 7 000 $. Franz, vous êtes en train de nous dire que le GoFundMe est limité à 5 000 $, c'est ça? Non, elle n'est pas limitée. C'était l'objectif initial. L'objectif était fixé ouvertement et publiquement à 5 000 $, c'est ça? Oui, c'était l'objectif, parce qu'on voulait au moins donner ce montant à madame. Cependant, si on dépasse, et puis je ne sais pas au niveau mécanique, je dois vérifier, est-ce que le GoFundMe arrête automatiquement 5 000? Et si c'est le cas, on va augmenter cette limite-là pour le plus que les gens généreusement peuvent donner. Comme vous le dites, c'est que madame aura besoin de soins, les États-Unis c'est très cher, et aussi en Haïti. Mm-hmm. Alors certainement, on vise plus que 5 000, et mécaniquement, on doit vérifier est-ce que le système arrête automatiquement ou bien on peut continuer. Alors, plus que 5 000, c'est certain qu'on vous invite à le faire. Gwenda, en général, nous toujours dit haïtien pas bon, haïtien ci, haïtien ça, mais l'organe des efforts que Montréal a fait, des mondes en cours, France André, avec toute organisation a fait, qui ça ou dit leur situation ça a fait, des compatriotes qui a essayé aider les compatriotes? Merci en pile parce que moi pas même à espérer à ça. Moi te pense seulement famille à voir les deux pour faire des postes comme si. Pas moi même pour moi même pas gagner rien non même. Mais là je viens garder par rapport de mes fonds là mais ces fonds c'est des sushis même ça c'est des livres qui étaient pour moi c'est comme si c'est bon d'être pour les sushis même parce que mon Dieu t'es que t'en ouais pas de personne. Pas de compte qui ça m'a pas fait malgré m'a cherché justice ou malgré m'a déjoué mais pas de compte qui ça m'a pas fait à moi les messieurs font des rivets sur j'ai même fait ça ce sont des livres souhaités malgré m'a prié même si moi je viens de courage
kounya la, gen yon moun ki pou ede, gen yon moun pou mwen ele, gen yon moun pou mwen explike problem mwen. Mwen se, mwen apremese tout kompatriot mwen yo a tout sa yo fe pou mwen, pou jan yo ede, pou jan yo patisipe nan ep mwen. E mwen se fons osi, ou mwen osi. Merci en pile, mwen pa ta tan de sa. Mwen pa ta tan an yi de sa si sa se lal ta prive. Men par rapport de mwen se fons, Et puis, Gwenda, moi-même, personnellement, je demande un seul bagage. Demain, si Dieu veut, je rejoins un groupe qui a parlé haïtien mal. Wadi Yodi, un peu, quitter un peu, parce que j'ai un bon haïtien oui, malgré ça. Tout. Oui, haïtien, mettez tête ensemble. Quand c'est un problème haïtien, nous-mêmes, haïtiens, nous avons un problème, nous tous pourrions vous aider, nous tous pourrions vous mettre ensemble. Si je dis à m'arriver en côté, je n'ai pas à parler haïtien mal. M'a dit c'est bien peu qui t'est un peu, c'est pas tout haïtien qui est comme ça. Et puis tout même sous tendez en haïtien a dit c'est parce qu'elle peut connaître la vérité pour le moins ça qu'a faut vivre ça qu'a vivre là. Le moment haïtien haïtien c'est bien pile qu'elle sont depuis ouais sous façon lui ouais bagarre là et puis son l'autre bagarre son l'autre haïtien. Franz André, coordonnateur et porte-parole du comité d'action des personnes sans statut et Gwenda Filius, veuve de Fritznel Richard, je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous, Franz André. Naturellement, on va se reparler et puis encore une fois, je vais dire toutes mes condoléances à Gwenda et on sera là certainement à continuer à suivre l'évolution du dossier. Merci beaucoup encore une fois. Hein. Oui, alors c'est juste aussi, il y a une vigile qui se fait dimanche, qui vient, donc qui est après-demain, devant le 200 René Lévesque, qui est le bureau d'immigration 200 René Lévesque, à partir de 1h. C'est justement pour aussi signifier au gouvernement canadien que des Fritznel Richard, on n'en veut plus. Alors, c'est une vigile qui va se faire apporter une chandelle pour pouvoir être solidaire. Alors on vous dit à quelle heure? Alors, c'est dimanche, donc après-demain, qui sera donc le 15, à partir de 13h, au 200 René Lévesque Ouest, qui est devant le bureau de l'immigration. Et naturellement, je répète, pour les funérailles, ça va être l'autre semaine, le dimanche, à partir de 13h30. Alors, merci beaucoup, merci, et puis bonne chance encore une fois, Gwenda. Au revoir. Merci beaucoup, merci. Oui. Merci. Alors, je demande à tout le monde, généreux, si vous mettez sur le GoFundMe, aider la famille de Fritznel Richard, ça va vous amener sur le site du GoFundMe. Merci beaucoup, Franz. Merci, Franz-André. Et la totalité de l'argent va à madame. Et on fera le décompte, naturellement, on reviendra pour expliquer les montants reçus, les montants qui ont été envoyés à madame Gwenda Filius. Merci beaucoup, Franz. Merci beaucoup. Au revoir. Exact.